Ben, je vois pas te filmer. Je sais pas pour les autres, là. Non, non, mais je vais pas te filmer, mais je suis en droit parce que les autres sont conscients de ce qui arrive. Ben, écoutez. OK, c'est correct. Les amis, aujourd'hui, je suis expulsé de mon local, donc je dois venir à mon local sur rendez-vous. Fait que c'est ça. Fait que je vais remettre les clés à qui de droit. Puis c'est ça. Fait qu'on va regarder si tout ça c'est légal après, là. Tu sais, c'est sûr que je mange un coup. Fait que voici les clés. Merci, monsieur. Fait que je remets les clés. Fait que ici à nos amis encore de la visite, hein. On vous le reconnaissez, lui. Hein, monsieur là-bas, vous le reconnaissez. Là, mais ces chers policiers qui sont là par obligation de leur job, hein. On le sait tous que vous avez un salaire à gagner. Mais bon, fait que aujourd'hui, chers amis, je n'ai plus accès à mon local, donc je ne peux plus travailler, je ne peux plus procéder à gagner ma vie. Je suis expulsé de mon local. Ça va prendre ce rendez-vous ici, comme ça. Fait que c'est ça. Et voilà. Fait que hier, ils sont venus. Fait que je n'ai plus d'accès à mon local, je ne peux plus travailler. Est-ce que vous voulez rentrer avec nous? Ben non, j'écoute. L'important pour vous, là, c'est de récupérer vos effets. Ben, c'est tous mes effets personnels, monsieur. Je dois travailler, gagner ma vie. Là, je peux pas rien faire. J'ai plus d'outils, j'ai plus rien. Vous avez besoin, là, ben là, présentement, j'ai besoin de tous mes outils. Ben écoutez, vous allez être obligé de faire un choix. Qu'est-ce que vous pouvez mettre tout de suite dans votre... Ouais, non, mais c'est correct. Garde, c'est pas grave. Garde, je le dis pour vrai. Je souhaite plein d'amour à tout le monde. Je souhaite à personne de vivre ce que je suis en train de vivre. On est 8,5 millions de Québécois, puis vous acharnez sur moi. OK? Pardon? Non. Et puis là, je suis avec ma blonde, le gros. OK? Puis ma blonde, elle me confirme que tu as mis dans la tête, Asti, que j'avais des problèmes psychologiques. Fait que j'espère que tu vas t'en rappeler, man. Tu as fait ça avec mes enfants aussi, hein, en passant. Monsieur Aymon? Oui. Nous, on veut pas de chicane ici aujourd'hui. Non, je suis pas en train de me chicaner. Eh, si, moi, je suis loin de me chicaner. Oui, regarde, ils sont armés. Ils pensent qu'ils vont me chicaner, si. Ils m'ont dégainé sur un hostie de temps, là. Physiquement, ils sont pas assez forts de un, puis ils ont juste le gun, si. Je veux juste respécifier qu'est-ce que c'est. Respécifier. Oui. Ouais, mais là, c'est-tu légal? Ben, écoutez, monsieur. C'est un officier de justice. Ben oui, c'est pas grave. C'est un document qui a été déposé. À la base, ça tient sur un cure-dent. Est-ce que c'est légal? Oui. Pourquoi t'as regardé par là? Il y a un juge. J'ai pas regardé par là. Anyway, de toute façon, c'est pas grave. Le juge de la Cour supérieure. Est-ce qu'il y a un fondement fondamental que je suis pris en faute? Non. Il n'y a aucune preuve en ce moment. Et vous agissez sans preuve, sans fondement et sans le hors de tout doute. J'agis pour voir à ce qu'une ordonnance de la Cour supérieure soit respectée. Écoute, je suis censé être en prison 2 ans parce que j'ai fait un méfait. Je suis censé d'avoir un dossier criminel. Je suis censé d'avoir 50, 60 et 10 000 piastres d'amende. Je suis ici devant toi, hein, quand un monsieur là-bas a détresse psychologique, ils n'en ont même pas parlé. OK? Ils savent pertinemment que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Je suis sorti de mon local pour un méfait de vouloir rentrer dans mon garage. J'ai des collègues de travail comme vous autres qui sont venus en arrière de mon épaule puis ils étaient sensibles à ce que je vivais. Non, pas tout. C'est juste que c'est pas légal. Ce que je voulais vous dire, là, c'est spécifier qu'est-ce que c'est des effets personnels de base. Ouais. Est-ce que vous avez des médicaments dans la place? Non. Est-ce que vous avez des n'importe quoi qui est par rapport à votre santé? Non. Est-ce que vous avez du linge? Oui, mon linge est tout là, mais c'est correct. Pourquoi vous ne les mettez pas dans votre pick-up tout de suite? Bien, parce que c'est correct. C'est correct. Fais ce que tu as à faire. Je te dis pour vrai, là. Va aller en acheter d'autres linges. Non, mais... C'est pas grave. Je vous laisse l'opportunité de prendre les choses. C'est correct, merci. Ils peuvent vous servir tout de suite. Merci, c'est bien gentil. C'est bien gentil, c'est clair. Je prends mes responsabilités, puis je te dis non, c'est correct. Ferme mon local, puis empêche-moi de travailler, puis c'est correct. C'est parfait. C'est bon? Il n'y a pas de trouble. Je vais être en dedans. Bon. Et voilà. Bon. Donc, je dois avoir du stock en esti pour manger des coups comme ça tout le temps. Ah, bye bye.
Et voilà, mes chers amis. Fait que regarde, je reste dans l'amour. C'est correct. Ça donne rien de... Ça donne rien. Tu veux que je fasse quoi? Ils sont à la gang. Ils sont là à la gang, assis tout le temps, en train de bûcher, puis de bûcher, puis de bûcher. Et dans le fond, regarde, tu veux que je fasse quoi? Hey. Là, je suis même pas déclenché, en plus. Je suis même pas dans... Même pas déclenché dans mon ego. Je suis comme... Je vis ça... sainement. On sait pas pourquoi. Mais bon, écoute. Fait que, bon, je prenne un rendez-vous... pour venir dans mon local chercher mes affaires. Dans le fond, le document stipule qu'à partir de maintenant, j'ai 5 jours sur rendez-vous pour sortir mon stock. Autrement, les 10 autres premiers jours, c'est aux frais du propriétaire qui va entreposer, après 5 jours, c'est que ce que je comprends, c'est qu'il va entreposer mon stock dans un endroit pendant 10 jours. Fait que... Je pense que je vais laisser aller là-dessus, hein, pour voir après ça où est-ce que je vais m'aligner. Fait que c'est sûr et certain. Fait que c'est ça, les amis, la saga Patrick, le négationniste. Si, bon de Christ. Violation totale, sans fondement, sans preuve, si pour... Parce que j'ai... Tout ça parce que j'ai aidé mon prochain. La leçon à retenir de ça, c'est que j'ai voulu aider du monde, hostie. Mais j'ai pas voulu aider du monde. J'ai aidé du monde. Tu comprends? J'ai aidé du monde, hostie. Qu'est-ce que je te dis? J'ai propagé l'amour. Puis de propager l'amour dans une industrie de corruption. Boum! C'est incroyable. Il faut rester fort. Il y a des prisonniers, c'est sûr et certain que peut-être qu'ils ont dérapé à quelque part. Puis, tu sais, je veux pas dire que je comprends le geste, mais c'est frustrant, tabarnak. C'est sûr et certain. Ça doit être. Écoute, c'est quelque chose. Fait que je suis itinérant, sur-itinérant, hein, dans le fond. Je suis dans mon local, mais là, j'ai plus le droit d'être dans mon local. Fait que l'urbaniste, a-tu rapport avec l'urbaniste qui a passé hier? J'ai aucune idée. Mais il voulait pas que je filme. Je lui ai expliqué, j'entends ce que tu dis. Tu peux t'expliquer, mais j'ai dit, vous êtes quand même 9 personnes ici, des policiers. Et je suis tout seul, moi, j'ai pas de témoin. Fait que je vais filmer pour l'exactitude de ce qui se passe. Étant donné que je me sens pas trop en sécurité avec des représailles, des représentants de la loi, hein, qui exécutent des mandats sous la haute cour. Tabarnak, c'est intense. Si, point, man, je suis le seul Québécois avec ça ici, cette calice. Je me sens privilégié, honnêtement. Je me sens privilégié, est-ce que, d'avoir autant d'attention, man, mais... Fucking shit, man. Avoir du cash, là, pis de poursuivre tout ça, d'emmener ça en justice, là, est sacré, man, mon gars. Est-ce que je me gênerais pas? Surtout ce policier-là qui a besoin d'amour, qui n'est pas capable de me regarder, qui rush, là, tu sais, qui a essayé de mettre dans la tête à mes enfants, qui a essayé de mettre dans la tête à ma famille, à mon père, tu sais, dans le fond, parce qu'ils sont subtils, hein, de dire, ça se pourrait-tu que Patrick ait un détresse psychologique? Hey, je me sens tellement en détresse psychologique en ce moment. Incroyable. C'est anticorien, oui. Fait que ça, je sais que ça peut être poursuivi en diétologie, puis faire des plaintes en diétologie, puis whatever. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour tout votre soutien, votre amour. Fait que c'est pas fini. La saga Patrick, en direct de Saint-Hubert-Longueuil. Puis là, le monsieur, il revient-tu me voir? Oh non. Il me montre un huissier de justice. C'est la première fois que je vois un badge de huissier de justice.
Oui, ils sont anticoïennes, oui. Il a de l'air content, le sergent en titre de ça, de l'enquête, il a de l'air vraiment content. Pour vrai, là, je le regarde là, dans mon détour bizarre, là, il rit, il a de bonne humeur. C'est sûr que la vie est belle, tu sais, on s'entend, mais de faire une exécution comme ça, je sais pas, je serais malaisé, moi. Anyway. Fait que c'est ça. On va pas regarder le problème, on va essayer de voir des solutions. Fait que au total, j'ai 15 jours. Là. Fait que c'est sûr que dans 5 jours, ils vont prendre mon stock et vont le mettre dans un container. Mais j'espère qu'ils vont faire attention, hein, parce que ça va être quelque chose s'ils brisent des affaires. Mais anyway. Fait que c'est ça, les amis. Fait que je vais aller profiter de... Écoute, j'ai eu 8 jours de congé en prison. Puis là, il va falloir que je reste chez nous, je peux pas travailler. Les clients ils vont capoter. Écoute, pour voir s'il y a des clients qui voient mes vidéos, vos affaires-là, je suis vraiment désolé. Holy shit. Je m'excuse. Je fais pas exprès. Honnêtement, là, je fais pas exprès. Là. Mais vous savez que le plus important là-dedans, c'est que je suis fier d'une chose. C'est que pendant 17 mois, j'ai encouragé, aidé, soutenu dans le moral et les faiblesses de certaines personnes. Puis aujourd'hui, mais je suis sûr qu'ils sont reconnaissants. Ils ne s'affichent pas. Ils sont sur mon Facebook. Ils voient mes lives. Ils sont là. J'envoie des messages. Ils me supportent. Mais ils ne s'affichent pas. Puis c'est bien correct. Je respecte ça. Pour ceux qui croient que ceux qui étaient là ne sont plus là, ça n'a pas rapport. Si un jour je deviens qu'être témoin à la cour, que j'ai pas été témoin, mais que je suis à la cour, que j'ai besoin de témoins officiels, je sais que je peux aller en chercher. Je suis fier de ça, d'avoir aidé et soutenu du monde dans le moral de cette style de marde de mensonge, de pandémie, de calice, de sacrement, là. Excusez mon sac, là, mais à un moment donné, ça me est ridicule, là, cette affaire-là. Mais je suis content. Je suis content aussi parce que toute la concentration, toute la centration, tout ce qui est négatif, bien, repose sur Patrick en ce moment. Parce que Patrick, il vous donne un break, hein? Je te supporte tout, moi. Je suis solide. Garde-moi les épaules. Asti, garde-moi les épaules, man. Je suis large comme une porte. Fait que je suis capable d'en prendre, man. Go, man. Come on, asti. Puis on lâche pas, les amis. Fait que je vous quitte là-dessus. Je suis bien content de vous avoir. Puis je vous aime. Vous savez que je vous aime, hein? Oui, allez, asti. Je suis plein d'amour pour vous autres. Fait qu'on s'aime. Je vous aime. Puis on lâche pas. OK? La journée continue. Je vais aller parler. Ouais, puis j'ai eu certaines questions. Fait que... Je vais aller parler avec eux autres en gentleman. Ils sont plus ouverts quand que je filme pas. C'est bon, les amis.